Aujourd'hui chez Projet Écolo, on vous explique à quoi ressemble la reine des abeilles, quelle est sa taille, ses fonctions et son cycle de vie. Bonne vidéo! Taille de la reine des abeilles. Les reines se distinguent des autres abeilles par leur taille plus importante qui augmente sensiblement lorsqu'elles sont en phase de reproduction. Elles mesurent en moyenne 2 cm, ce qui comparé à 1,5 cm des ouvrières est une différence notable qui nous permet de les reconnaître facilement. La responsabilité de ces abeilles est de se reproduire avec les faux bourdons mâles et de produire les œufs fertiles. Une seule reine est nécessaire par colonie car elle pond environ 2000 œufs par jour. Autre caractéristique de la reine des abeilles. La reine des abeilles n'a pas d'appareil de collecte du pollen car elle n'est pas responsable de l'obtention de nourriture. En règle générale, il n'y en a qu'une seule reine par ruche et les colonies ne peuvent exister sans reine. La reine des abeilles a la capacité de piquer, mais elle ne le fait que pour se battre avec d'autres reines pour devenir la reine de la ruche. Elle sécrète des phéromones mandibulaires qui agissent différemment sur chaque caste. D'une part, elles attirent les faux bourdons afin de les féconder et d'autre part, elles maintiennent la cohésion de l'essaim. Ces phéromones ont également une capacité de régulation car elles maintiennent la ruche en ordre en évitant l'agressivité tout en stimulant le travail et l'assiduité. Comment une abeille devient reine? Comme dans les autres castes, la reine éclot d'un œuf. Néanmoins, il y a une petite différence notoire, elle éclot dans une cellule particulièrement grande par rapport aux autres. Après l'œuf vient le stade larvaire, qui est le stade d'alimentation active avant que ne commence la métamorphose. Il se produit 3 à 5 jours après la ponte de l'œuf. Pendant les 3 premiers jours, toutes les larves sont nourries avec de la gelée royale, une substance fabriquée par les abeilles ouvrières à partir de leur glande hypopharyngienne. C'est cette différence alimentaire qui détermine qui sera l'abeille reine ou non. Plusieurs larves sont nourries à l'aide de gelée royale car cette substance a une haute teneur en protéines et son contenu spécial fera que les abeilles seront fertiles à l'âge adulte. Une fois qu'elles ont emmagasiné assez de cet aliment, elles passeront au stade de nymphe pendant 7 jours pour se métamorphoser en adulte. Après, elles se livrent une bataille jusqu'il n'en reste plus qu'une. La survivante effectuera ensuite des vols de reconnaissance pour trouver des faux bourdons afin de commencer sa vie reproductive. Une fois les faux bourdons trouvés, la reine des abeilles effectuera son vol nuptial au cours duquel elle sera fécondée. Découvrez-en plus sur la reproduction des abeilles dans la vidéo qu'on vous laisse ici. Combien de temps vit la reine des abeilles? La reine des abeilles a une espérance de vie de 2 à 5 ans. Le vieillissement s'observe par une diminution de la capacité de la reine à produire des œufs jusqu'à ce qu'elle finisse par mourir. À ce stade, pour que la colonie reste en vie, il est essentiel de remplacer la reine. Pour remplacer la reine sur le point de mourir, la première étape consiste à préparer des nouvelles princesses nourries à base de gelée royale. L'autre option consiste à adopter une reine d'une autre colonie qui possède déjà une reine. Il est également possible que la reine ne meure pas et qu'une nouvelle reine commence à se développer alors qu'elle est encore présente. Dans ce cas, la première abeille partira avec un essaim composé d'au moins la moitié de la colonie et ils fonderont une autre ruche dans un nouvel endroit. Si vous souhaitez continuer à prendre des curiosités sur les animaux, ne manquez pas la playlist qu'on vous laisse ici. Dites-nous, connaissez-vous toutes ces informations sur la reine des abeilles? À bientôt les écolos!